Go Choping, 37 ans, fait du bénévolat dans une communauté depuis la mi-mai. Elle est agente immobilière, mais les affaires ont été suspendues en raison de l'épidémie de Covid à Beijing. Je connais très bien ce quartier car c'est celui dont j'ai la charge. Je sais à quel point les travailleurs ont été occupés depuis le début de l'épidémie. Alors j'ai voulu les rejoindre et faire quelque chose pour la communauté. Plus de 2000 personnes vivent dans le complexe où Gao se porte volontaire, mais il n'y a que 8 travailleurs communautaires enregistrés ici. Le comité de quartier dit que même avant l'épidémie, ils étaient surchargés de travail. Notre complexe est vieux. Il a été construit dans les années 1970 sans ascenseur. Il y avait environ 100 personnes en quarantaine à domicile au plus fort de cette épidémie. Nous montions et descendions les escaliers pour faire des courses pour eux. Nous étions débordés, alors nous avons fait appel à des volontaires. De nombreuses personnes se sont inscrites, comme les travailleurs de la restauration, les agents immobiliers et les fonctionnaires. De la vérification des codes de santé à la livraison des colis, les bénévoles disent que ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais qu'elles comptent beaucoup pour le contrôle des épidémies. Bien que cela puisse devenir vraiment épuisant, c'est ça le travail communautaire. Certains volontaires doivent porter un équipement de protection complet pendant environ 5 heures. Tout le monde a travaillé très dur, mais nous pensons tous que la stabilité actuelle en vaut la peine. Gao et Joe s'attendent à reprendre leur travail habituel à mesure que l'épidémie de Beijing s'atténue. Pour ceux qui leur succèdent, le gouvernement a offert une compensation. Les communautés résidentielles ont été invitées à augmenter leur personnel en recrutant des travailleurs temporaires à temps partiel dans les industries qui ont suspendu leurs services en raison de l'épidémie. Il s'agit du personnel des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme.